Shalom, je suis le berger de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui, le 25, mercredi 25 février 2015. Il est 9h à Montre. Je m'apprête tout à l'heure, comme d'habitude, à travailler sur le net parce que tous les mercredis, par la grâce de Dieu, nous avons l'occasion de travailler, de recevoir ceux de la diaspora. Sur le net, c'est-à-dire une évangélisation dessus, puis une délivrance au travers du Skype. Voilà, le Skype. Pour ceux qui, bien sûr, qui n'ont pas le temps, parce que c'est ça. Une personne basse en dehors de l'Europe, qui ont toutes sortes de difficultés, nous avons décidé d'aider ces personnes-là. Voilà, donc tous les mercredis, par la grâce de Dieu, nous aidons les personnes. Nous sommes un ministère. Nous sommes un ministère. Un ministère d'évangélisation, et en même temps un ministère de délivrance. Notre spécialité, c'est la destruction des hommes de la sorcellerie. Et en même temps, je fais appel à tout le monde, parce que déjà Paris, c'est un prêt par la grâce de Dieu. Et en même temps, je demande aux gens de bonne volonté de soutenir ce ministère. Nous avons tellement de charges, non seulement ça, nous avons aussi des personnes, toutes nos charges, des personnes abandonnées entre nos mains. Parce que dites qu'il ne peut pas changer, parce que Dieu pense que les sorciers ne peuvent pas changer, s'ils peuvent changer. Donc on peut amener un sorcier à abandonner sa sorcellerie, parce que Jésus-Christ est souverain et puissant. Il fait de lui une personne vraiment utile au royaume de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs, parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont pécheurs, juste plutôt, mais pour les pécheurs. Donc nous avons tellement de charges. Viens ici, monsieur. Assois ici. Voilà, comme ce monsieur, vous le connaissez, il dit qu'il est colonel, c'est lieutenant-colonel. Voilà, il a abandonné par ses parents. Nous avons fait sa délivrance, ses parents ne croyaient pas en lui. Donc, vous ne voulez même pas qu'il retourne en famille. Alors, nous avons décidé de l'aider. Donc, depuis un moment, il est ici, sur nos toits. Il est salarié ici, c'est-à-dire que tous les mois, il est payé. Il vit ici, il sert Dieu, nous avons commencé à le former. Il est pleinement dans la délivrance, il délivre les gens, un sorcier qui a causé assez de tort. Mais en même temps, il est devenu utile au royaume de Dieu. Nous voici le travail que nous faisons. Nous en profitons, en même temps, de demander aux gens de bonne volonté de nous aider. Merci déjà pour Topo, Léontine. Merci en même temps pour Fabienne depuis les États-Unis. Merci pour ceux qui nous aident, mais nous avons besoin d'aide parce que quand nous estimons nos dépenses à 2 600 000 francs les mois, toutes nos dépenses, que nous évaluons toutes nos dépenses, ma maison, les musiciens qui viennent chanter chaque semaine, il faut les trucs les soutenir, et en même temps, le personnel, les différentes factures, il y en a tellement de factures, mais j'appelle aux gens de bonne volonté de nous aider, parce que ce n'est pas facile. Si vous avez un agent, donnez-nous des véhicules pour que nous puissions être très utiles au royaume de Dieu. Donc, vraiment, ceux qui aiment Jésus-Christ, qui aimeraient voir l'œuvre de Dieu avancer, parce que nous autres, nous allons dans les villages les plus reculés pour prêcher Jésus. Hier, j'étais à Uya, dans la région de la Spolitie de Lucit. Vraiment, je demande de l'aide, vraiment de l'aide. Pour tous nos amis internautes, c'est vrai, parce que même Internet, ici, c'est payant. Nous, le mois, ça fait, nous avons 65 000 francs d'Internet que nous payons tous les fins du mois. Le 8 août, chez moi, c'est 25 000 francs. Et en même temps, de l'autre côté, au cabinet, c'est 8 mégas. Ça fait 45 000 francs. Mais c'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Nous demandons de l'aide à toutes ces personnes qui aimeraient voir l'aide de Dieu. Ils vont avancer. L'apôtre Paul pouvait dire, comment entendras-tu parler s'il y a personne qui prêche? Donc, vraiment, c'est de l'aide que je demande, parce que vraiment, non, c'est pas facile. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Nous voulons aller à nos profondes, on est très loin en matière d'évangélisation, de destruction des œuvres de la société. Alors, je pense que ça ne rentrera pas dans l'oreille des sous. Voilà, donc, maintenant, mon nom, à l'état civil, c'est Krasso Djaro Joël Shalom. Je réponds, Krasso, c'est K-R-A-2-S-O. Djaro, c'est D-J-O-R-O. Joël, J-O-F-E-L. Shalom, S-H-A-L-2-O-M. Voilà, donc, vous pouvez appeler au 32 76, ça dit plus, bien sûr, plus. Plus 225 32 76 38 90 ou plus 225 47 07 23 28. Vraiment que Dieu bénisse
Alors, entrant en contact avec maman, on a mis depuis l'Allemagne. Voilà, c'est que chargé. La diaspora aujourd'hui, nous avons décentralisé la chose. Appelez maman Naomi pour les rendez-vous. Shalom, Dieu bénisse.